ça représente ce qui va se passer dans un cours, beaucoup plus beau. Le signe, c'est exécute une technique, en l'occurrence là c'est l'ikyo. L'ikyo, c'est la source de l'aïkido avec Yeri Minage. Et ensuite, les disciples de Pierre Mathieu Sensei exécutent la technique qu'il vient d'exécuter. Donc là, on dit les jugements, on va débuter par une technique bien. Ikkyo, c'est le premier mouvement sur une saisie de poignet, donc avec une facilité de contact. Dans le travail, il y a toujours un attaquant et un défenseur. Et on cherche à s'harmoniser avec la force de l'attaquant, c'est-à-dire à utiliser la force du partenaire pour l'emmener au sol. Si surtout on le fait rompre bien ses cheveux. On va passer à la même technique sur, avec une certaine distance d'attaque. Notamment des débutants de cette année, des personnes qui n'ont pas de hakama, c'est-à-dire la jupette noire qui couvre le kimono. On dit en fait kekomi, pas kimono. Ce sont des débutants de cette année, enfin deux sur les trois. C'est la même technique qui est montrée, mais en travaillant juste sur la distance pour essayer d'utiliser la déviation pour venir circonscrire le centre de l'autre. Le but est toujours de travailler sur le corps, pas de travailler sur la périphérie, mais on cherche à rentrer sur le centre à partir de l'attaque. Préserve énormément son budget. Pour la source, c'est très ancien. Donc sur une entrée plus dynamique, on laisse le partenaire tourner.